Salutations, c'est Casque, et aujourd'hui on va changer, on ne va pas parler de jeux de société, mais on va parler d'un jeu qui est sorti récemment sur Steam en Early Access, hein, toujours, c'est Shadows of Doubt, l'ombre du doute. Donc c'est un jeu d'enquête policière dans lequel on incarne un détective privé. Le truc c'est qu'en tant que détective dans ce monde-là, on enquête mais de façon un petit peu illégale. C'est-à-dire qu'on doit remettre une fiche à l'hôtel de ville, je pense, quand on a fini notre enquête pour valider le truc. Mais il ne faut pas qu'on se fasse griller en train de fouiller l'appartement, même celui de la victime. On n'a pas le droit d'entrer dans les propriétés privées, quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger une partie dans laquelle j'ai commencé à jouer, mais en mode sandbox. Il faut savoir qu'en mode sandbox, on commence en tant que SDF. Alors je crois que dans les paramètres, on peut choisir d'avoir un appartement. Moi, j'ai choisi de ne pas en avoir, parce que bah, je trouvais ça plus sympa de partir de rien. Par contre, j'en ai déjà acheté un pour voir un petit peu comment ça se passait, et je vous expliquerai ça juste après. Parce qu'il y a un petit moyen quand même de se faire de l'argent, mais avec un petit coup d'arrêt vite fait. Voilà, là on est dans le jeu. Alors ça va laguer un petit peu le temps que ça charge convenablement. J'ai pas un PC ultra puissant, mais ça va le faire. Voilà, là on a un distributeur. Alors je peux aller dans le distributeur et on voit qu'ils vendent par exemple ici le Papa Gâteau. C'est un disque sync. C'est des trucs qu'on peut se faire greffer, dans lequel on peut ensuite glisser ou s'injecter, je ne sais pas exactement, des améliorations. Et celui-là, donc si je reviens dessus, ça nous dit que quand on se le fait greffer, il coûte 5 crédits. Alors ça s'appelle pas crédit, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est indiqué quelque part, mais bon, c'est des crèves, je crois. Si on se le fait greffer, donc on l'achète pour 5 crédits, on se le fait greffer et on nous paye 5 000. Donc en gros, on gagne 5 000, hein, 5 crédits, on s'en fout. Voilà, on gagne 5 000. Si on veut se le faire enlever, ça coûte 6 000. Donc jusque-là, on se dit, bah, c'est ok, c'est un petit peu le système d'un emprunt. On nous file 5 000, mais après, il faut qu'on rembourse plus. Jusque-là, ça va. Le truc, c'est que, comme ils nous disent ici, mais ils disent pas tout. Ils nous disent que si on consomme le produit, le Stretch Cola, qui est le Coca-Cola de ce monde, je vais diminuer de 5 crédits à chaque fois le prix de la désinstallation à chaque fois que j'en consomme un. Si je consomme autre chose, je vais augmenter le prix de 1 crédit. Le truc, c'est que ça nous rend accro au Stretch Cola. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cet implant, on est obligé d'en boire. Si on n'en boit pas, notre vision se trouble, on se met un petit peu à trembler, tout ça. Bon, c'est un petit truc sympa du jeu. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jeu d'enquête? On est dans un monde qui est généré de façon procédurale. Voilà, là ça va un peu lagouiller parce que je viens d'aller dehors, mais ça va passer. Ça va passer. Je vais pas rester trop dehors parce qu'il fait pas chaud. Où chaque habitant a sa petite routine quotidienne. Chaque habitant a, enfin ceux qui ont un appartement, une boîte aux lettres. Alors là, c'est des boîtes aux lettres qui sont sûrement pas attitrées, parce que si je regarde sur certaines, on voit que voilà. Il y a quand même des numéros d'appartement dessus. Okay, donc chaque habitant a sa petite routine, sa boîte aux lettres, son groupe sanguin, son numéro de compte bancaire, ses empreintes digitales, sa pointure de chaussures. Est-ce que j'ai des infos sur une précédente enquête que j'aurais menée? Je me trompe un peu dans les trucs. Voilà, ça c'est une enquête que j'ai déjà clôturée, j'allais terminer. Donc à chaque fois qu'on va révéler un indice, on va pouvoir l'attacher ici. Ici, dans ce cas-ci, j'avais placer tout ce qui était en lien avec ma victime. Donc il s'appelait Elliot Xu. On a la date du décès, on a ses empreintes digitales, d'ailleurs on sait voir sûrement sa fiche complète. Voilà. Donc chaque personnage a un nom, une photo bien sûr, son type d'empreinte digitale. Alors là, il dit type B, donc on se dit ouais, il n'y a pas beaucoup de types d'empreintes digitales. En fait, si, il y en a pratiquement une infinité. C'est juste que c'est B parce que c'est la deuxième empreinte digitale que j'avais scannée dans le jeu. La première fois qu'on va scanner une empreinte, il va nous dire que c'est une type A. La deuxième fois, une autre empreinte, ce sera une type B. Si un jour on rescanne une type A, ce sera forcément son empreinte à lui. Une fois qu'on est arrivé à Z, il recommence avec AA, AB et ainsi de suite. Voilà, donc là j'avais rangé tout ce qui était en lien avec ma victime. Alors, j'ai pas son identification vocale, évidemment, je l'ai jamais entendu parler. Quand je l'ai rencontré, il était mort. Donc, empreinte digitale, on a son âge, sa date de naissance,
sa corpulence et tout ça. On a tout un tas d'infos qui sont quand même bien foutues, même son salaire. Ça, c'est le code de son ordinateur que j'ai jamais eu. Là, on voit que j'ai faim. C'est marqué en haut à gauche, mon personnage a faim, donc je vais me rendre... C'est pas un jeu de survie, mais il faut s'alimenter. Donc on a un distributeur ici, on l'a vu tout à l'heure, mais on va aller dans un snack. Voilà. Alors, je vais prendre... Je vais prendre du poulet. Voilà, donc dans mon inventaire, j'ai du poulet. Je peux le manger. Bon, on n'a pas d'animation comme quoi il mange, mais il mange. On l'entend un petit peu. Voilà, c'est vide. Je sais pas, il n'y a pas de poubelle, donc on va le mettre là. Oh, pas mal. Alors, comment on fait pour trouver du travail? Soit on attend qu'il se passe un meurtre et on va être averti en cas de meurtre. Sinon, on a des petites annonces dans les snacks, comme ici, à côté du téléphone. Et ici, par exemple, on nous dit « Travail disponible, humiliation publique, aucune question, aucune réponse, paiement 550, demandez à avoir Holiday, c'est ça, Holiday, Hollywood, enfin, je sais pas, au personnel. » Bon, humiliation publique, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors ici, on recherche un individu discret avec des talents de photographe obligatoires. Ça veut dire qu'il nous faut un appareil photo, mais ça, on le vend à l'hôtel de ville. Je vous montrerai comment on trouve l'hôtel de ville, c'est assez facile. Récompense 650, appelez-le. Ça peut être pas mal, en vrai, ça peut être pas mal. En plus, j'ai déjà l'appareil photo, je crois. Oui, j'ai un appareil photo parce que j'ai déjà fait une enquête de ce type-là. Alors, comment on fait pour trouver le hall, enfin l'hôtel de ville? On entre dans notre menu, à chaque fois, je me trompe de touche. Celui-ci, on voit la carte. On dézoome un peu, c'est l'immeuble qui a le plus grand hall, c'est celui-ci. Un hall avec des pilastres tout autour. Donc ça, c'est le grand hall. En plus, ensuite, si on veut y aller, il suffit de définir un trajet et boum, on va là-bas. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un client de firme très respectable et influent cherche un détective de talent pour examiner un problème opérationnel. Expérience de collecte de preuves nécessaire et ça paye 1450. C'est probablement une histoire de vol. C'est pas les plus simples non plus. Là, c'est encore une humiliation publique, on s'en fout. Celle-ci, c'est celle qu'on avait regardée juste avant ou il y a deux fois talent de photo? Ouais, il y a deux fois avec les photographes. Et ici, préoccupation professionnelle qui exige une enquête, honoraire important, 2000 crédits. Ça doit pas être facile non plus. Et ça, c'est des appartements à louer. Donc on voit que ici, ça se passe au 103. Alors il faut savoir qu'il y a une échelle sociale. Pour l'instant, je suis au troisième rang de l'échelle sociale. Quand on commence la partie, on est au premier. On n'a pas accès à grand chose, mais ça, honnêtement, ça va, ça change pas grand chose. Plus on est bas dans l'échelle sociale, plus on habite bas dans les immeubles. Là, c'est le premier étage. Donc c'est pas ouf non plus, mais ça va, il y a déjà des appartements sympas, c'est pas non plus le sous-sol. Si je regarde ici, 7400, j'ai déjà acheté celui-là, c'est pour ça que j'avais fait une sauvegarde. En fait, je me suis implanté le truc que je vous ai montré au début qui rapportait 5000 crédits, exprès pour avoir assez d'argent pour l'acheter, pour avoir un appartement 8e et voir un petit peu comment ça se passait. Bon, quand on l'achète, il est vide. Hein. Il n'y a même pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. On doit tout mettre nous-mêmes. Donc il y a un système de housing. On peut acheter des... on peut changer la moquette, le mettre du plancher. On peut changer la couleur des murs, du plafond. On peut acheter nos propres meubles. On choisit la couleur de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment pas mal non plus pour ceux qui aiment ça. Et ici, on a un appartement à 3800 au troisième étage qui a l'air tout à fait correct. Bon, voilà. Bon, on va se prendre une petite enquête. On tente un vol. Il y en a une qui payait 2000. Tiens, j'ai appuyé sur une touche, il fallait pas. Bon, ici, celle-ci, elle paye 2000. On peut accepter, donc il va falloir appeler le 872-23-74. Voilà, donc là, il m'a créé un nouvel onglet. On a l'onglet du rôdeur de la nuit que je peux terminer hein, cette enquête là, elle est non, c'est pas ici. Donc résoudre l'enquête, donc là j'avais tout terminé, donc je peux clore. Ok,
Et maintenant, on est donc sur une enquête de vol. La seule option, la seule chose qu'on a pour le moment, c'est l'offre d'emploi. Donc, on va la garder là au-dessus et on va donc téléphoner. Donc, je dois composer le 872 23 74. Il veut que je me rende au Dragon Burger exactement à 14h33. Ok, là il est 14h30. Donc on va voir où se trouve le Dragon Burger, mais il doit pas être très loin. Donc là c'est l'annuaire de la ville. Dragon Burger c'est ici. Hop, on se fait un petit itinéraire. Et on y va. On va pas traîner. C'est ici, c'est ça le Dragon Burger? Ouais, c'est ça. Ok. Et on va attendre que le téléphone sonne. Est-ce que ça sonne pile à l'heure? Ah, il y a une minute de retard. J'ai besoin que vous voliez un important document, ce sera dans une enveloppe scellée rouge et marron. Ah, c'est pas une histoire de vol, en fait, c'est nous le voleur, ok. Une mallette est cachée dans le coin, elle contient des informations sur la cible. Ok. Alors la mallette est là, elle n'était pas là quand je suis arrivé, elle vient d'apparaître. On va prendre la mallette. Maintenant on va ouvrir l'inventaire, on se met sur la manette, je l'ai en main, je peux l'ouvrir, là ça va se faire automatiquement. Tout ce qu'on avait à prendre a été pris. Trouver, voler l'objet suivant, enveloppe secrète. Ok. On va se remettre en main vide. Alors qu'est-ce qu'on a ? Individu inconnu. Âge 25 ans. Il porte pas de lunettes. Qui travaille à Wheaton Network. Qui a un intérêt pour la musique. Génial. Alors, Wheaton Network. Donc, est-ce que c'est là-bas que je dois voler le... Je sais pas trop. On va y aller. On va aller voir Wheaton Network. De toute façon, c'est la seule info qu'on ait pour le moment. C'est au cinquième étage du bâtiment Stubbs de Luxe. C'est là où on était au départ, le Stubbs de Luxe. C'est ici. Alors, l'ascenseur est parfaitement fonctionnel. Sauf que là, il n'est pas là. Je sais pas, il doit être tout en haut. On va attendre quand même, pour le fun. Alors, comme je le disais, quand on habite plus bas, c'est moins bien. Hein, c'est plus crasseux, les appartements sont plus petits. Et il y a... Ah non, ici, il n'y en a pas. Mais parfois, il y a encore un sous-sol supplémentaire, mais ils sont inondés. On marche littéralement dans les égouts. C'est vraiment la zone, quoi. Donc, on a dit le cinquième. Alors, on voit qu'on a des caméras de sécurité. Et ça, ce sont des sulfateuses. Alors, si on se fait griller en train de faire des trucs chelous, ça rigole pas trop. Là, ce qu'on voit, on le voit un petit peu, il y a un volet de sécurité, il y a une porte qui vient littéralement se fermer quand on fait quand une alarme est déclenchée. Donc, si on déclenche l'alarme et qu'on est ici, on va se retrouver bloqué ici. Hein. Les portes vont se fermer, c'est foutu. Il y a des grilles de ventilation. On sait se balader à l'intérieur. On peut pas, mais on sait le faire. Alors, Stubbs de Luxe, c'est ici. Alors ça c'est important ça, des trombones. Dès qu'on en voit, il faut ramasser ça. Parce que c'est avec ça qu'on fait du crochetage. Voilà. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert. Est-ce que j'ai le droit d'entrer? J'ai le droit d'entrer. Alors, je vais lui parler, je ne sais pas. Le truc c'est que si tu demandes à quelqu'un comment il s'appelle, il va jamais te répondre. Voilà, Les gens ne sont pas sympas dans cette ville, il faut savoir ça. Par contre, on peut peut-être lui demander s'il a vu quelque chose d'inhabituel pour faire genre « Nous, on est là pour enquêter sur autre chose. » Bon, il dit quand même que ça ne regarde pas. Ok. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je suis censé faire. Je vais fermer la porte pour le moment. Je pense qu'il va falloir que je fouille, mais il va falloir faire ça discrètement. Alors, on peut regarder sur une carte où est-ce qu'on est là pour le moment. Faudrait déjà que je me trouve. Voilà, on est là. Et on remarque, parfois le zoom fonctionne pas, je sais pas pourquoi, qu'il y a une grille de ventilation là, on l'avait vu, elle est juste à côté de nous, mais apparemment elle va servir qu'à monter ou à descendre, parce qu'on voit pas de chemin. Par contre, on voit qu'ici, il y en a une qui relie. Bon.
Donc si je regarde dans la grille de ventilation, je suis à peu près sûr qu'elle ne mène nulle part. On va aller voir pour le fun. Ouais, c'est ça, juste descendre ou monter. Bon, là, ça nous intéresse pas. Comme il nous dit rien, on vient. Bon, là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'y aller. C'est rouge. Ok. Ah, ici, on n'a pas le droit non plus. Comment ça, qu'est-ce que vous prendrez? Comme si tu allais me faire un café. Alors, on a une caméra là. On a une sulfateuse ici. Donc, il n'y a qu'une seule caméra. En me mettant peut-être sur la petite fenêtre. Elle est un petit peu trop haute. On peut saboter. On pourrait saboter autrement. Ben, il faudrait que j'entre dans le local des caméras. Ce serait peut-être pas mal. S'il ne me voit pas rentrer, est-ce que c'est grave? Si je rentre et que je ferme la porte. Bon, au final, ça va. Il bouge pas. Alors ici, on a une note qui nous dit que... Ben, si, on va le noter. À l'attention de tout le personnel, le code de la porte de mon bureau est le 4060. On va noter ça quelque part. On va le mettre ici. Bon, c'est pas directement lié à l'enquête, mais voilà, voilà. On peut bien sûr ouvrir tous les tiroirs. On peut fouiller. Hein. Bon, là, il y a un dé, on s'en fout. Bon, on est dans une cuisine, quoi. On va pas. On va quand même fouiller un peu, hein. Parce que on cherche quand même une enveloppe marron. On peut bien sûr fouiller la poubelle. Rien de particulier. Par contre, ça, j'allais dire, on prend le trombone. Rien ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grille de ventilation et qu'il n'y a pas de caméra. Et je crois qu'elle mène au local des caméras qui était juste à côté. Ah non, on va trop loin là. Je sais pas. Où est-ce que je vais me retrouver? Faut pas que je change d'entreprise, parce que parfois il y a plusieurs entreprises au même étage. J'ai pas envie de me retrouver ailleurs. Là, il y a quelqu'un qui travaille. C'est le gars de tout à l'heure? Non, c'est quelqu'un d'autre. Il faudrait peut-être mieux que je repasse pendant la nuit ou quelque chose comme ça. Alors, en journée, ça va être un petit peu chaud. Voilà. Quelqu'un m'a entendu, mais je pense que c'est pas très grave. On va aller voir par là. Ah, c'est de là que je viens. Zut. Si ça m'a tout l'air d'être un bureau, c'est peut-être celui que je cherchais. Il n'y a rien ici. Il y a une autre ventilation là, mais bon. Ah, on peut avoir des documents importants. Ça, on en trouve souvent dans les garde-robes, dans les appartements ou quoi. C'est tout un tas de fichiers qu'on peut fouiller. Hein. Donc là, on a vraiment les infos sur le personnel. On a même leur empreinte digitale ici, sa signature, son salaire, tout ça. Ça peut être intéressant. Bon, là, je vais les conserver pour le fun, même si j'en ai vraiment pas besoin. Et donc, on peut, voilà, tourner les pages. On va tout prendre. Enfin, tout prendre. On va prendre une copie de chaque truc. Est-ce que j'essaie de passer par... Je ne sais pas sauter jusque-là. Je me demande s'il y a moyen de sauter plus haut, peut-être avec un disque signe, je sais pas. Là, je peux retourner dedans, il suffirait que je saute. Où est-ce que je suis ici? Ah, c'est fermé à clé. Je peux tenter de crocheter. Non? Ah, il n'y a pas de serrure. Bon. Si je fouille
ici va me dire quelque chose. Non. Si on peut crocheter ça. Ça, en fait, le pavé numérique, on avait le code du bureau de quelqu'un. Attendez, on va regarder à ça. Est-ce que ce serait le 4060? Ouais. On va attendre qu'il n'y ait plus de caméra. Merde. Il est trop concentré sur son travail. Il ne m'a pas vu. Ah, m'a vu. Bonjour. Désolé. Je pense qu'il va falloir revenir pendant la nuit. On a quand même un nom, la marque Harrington. C'est pas le nom de la société. Ah, ça c'est le gars qui était dans le bureau. Est-ce qu'on a un employé qui s'appelle la marque Harrington ? Oui. Non, non. Tous les autres en fait nous intéressent pas. Mais lui, il nous intéresse. Ok. Là on est en pause, c'est pour ça qu'on voit le personnage dans... Il est parti. On va quand même retourner voir là-bas. Une fois qu'on a entré un code, ça se fait tout seul. Ah bah c'est ça l'enveloppe brune, enveloppe secrète. Ben voilà. Et on va se casser de là. Alors laissez l'objet près de la benne à la ruelle de Dingle Street. Alors, Dingle Street. J'arrive plus à dézoomer, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Toujours en early access, hein, c'est pas très grave. Dingle Street, c'est ici. On va donc se rendre à Dingle Street. On va prendre l'ascenseur. J'ai eu un coup de bol hein, de trouver le truc tout de suite comme ça. Je m'attendais à le trouver dans l'appartement de la personne ou quelque chose comme ça. Alors là on voit qu'en haut à gauche j'ai un 600 crédits qui clignote. C'est l'amende que je vais me prendre si je me fais attraper. Mais je pense que c'est ok. Disait près de la benne à ordures de Dingle Street. C'est ici. Laissez l'objet près de cet endroit, benne à ordures de Dingle Street. Ok, ben on va se mettre près de la benne. Hop, et on va le déposer. Ensuite, je pense qu'on peut valider, résoudre, trouver et voler l'objet, ok, le laisser, ok, définir le trajet pour clore l'enquête. Donc on va retourner à l'hôtel de ville, enfin au grand hall là-bas. Et donc ici on a un bac avec des documents. Vous ne pouvez pas demander ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Ah, appeler le 872-23-74.
C'est validé. Enquête résolue. On va gagner des sous-sous. Ça, c'est pas l'argent. Les crédits sociaux, c'est vraiment l'échelle sociale. Donc, on voit que je suis toujours rang 3, mais presque 4. Ah, si, je suis passé 4. Faut que je change cette touche. Vraiment. Je suis passé 4. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça change. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On a fait une petite enquête plutôt facile. Il n'y a pas eu de meurtre, donc là je peux pas vous montrer de meurtre. J'ai combien de sous là? 4784. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, comment on fait pour trouver des infos sur les gens dans ce bâtiment-ci, dans le hall? C'est une petite astuce. On va monter au premier étage. Alors, dans mon cas, mais vu que les trucs sont générés de façon procédurale, ça sera peut-être pas la même chose à chaque fois. Il y a un bureau ici quelque part, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est Orchid Ward. Beta Enforceur Division. On n'est pas censé y aller. D'ailleurs, c'était pas celui-là. Moi j'étais allé dans le Beta. Ouais, c'est ça. Beta Enforceur Division. Quand je rentre, on me dit rien. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une caméra. J'ai peut-être le droit d'être ici. Et en fait, ici il y avait un post-it avec un code. Là, on voit, c'est le 1421. Et donc, grâce à cet ordinateur-ci. On va dans base de données du gouvernement, peut-être, voilà. Et donc, si je regarde dans mes papiers, par exemple, je voudrais des infos sur la marque Harrington. On tape... Ah, j'ai tapé ça. Ouais, le problème, c'est que j'ai des touches qui me servent à autre chose. Ça, c'est un peu... Bon, voilà, la marque Harrington, il l'a trouvé. Ok, on imprime le truc. On le prend. Et voilà, donc on a un tas d'infos sur lesquelles, du coup, on n'a pas besoin d'enquêter. Donc on a directement sa date de naissance, on sait que c'est un homme, on sait à quoi il ressemble, on connaît sa taille, on a sa pointure, son groupe sanguin. Ça, c'est intéressant, le groupe sanguin, parce que en cas de meurtre, pour identifier, c'est pas mal. Hein. Si son sang est présent sur la scène du crime, c'est pas mal. On a son adresse, on sait où est-ce qu'il travaille. Donc c'est une petite astuce parfois quand on n'a pas trop d'infos sur une personne mais qu'on a quand même son nom. Il faut venir ici, donc au bêta enforceur. Bon ici c'est le bêta, il y a le delta, il y a le gamma, je sais pas. Et ici par contre c'est... je pense que je peux pas y aller. Enfin, ici je peux pas. Bon voilà, donc on n'a pas enquêté sur un meurtre, mais on a vu un petit peu comment ça se passait. Ce serait pas mal quand même qu'on ait un meurtre à faire, hein, mais ça fait déjà un petit moment que je tourne là. Voilà, donc tout ça c'est terminé, je pourrais l'archiver. Hein. Donc voilà, clore l'enquête. Boum, c'est terminé. Ici, à ce distributeur-là, c'est là qu'on vend le matériel nécessaire pour enquêter, l'appareil photo, les menottes, parfois on est appelé à faire des arrestations, ce que j'ai jamais fait parce que ça peut être dangereux, et je me dis que peut-être il faut un petit peu plus d'argent, histoire de s'être acheté par exemple, je sais pas, une matraque, un gilet pare-balles, ça peut être dangereux. Mais donc le matériel va être ici. Le décrypteur, je crois que c'est un truc qui ne marche qu'une seule fois parce qu'on en a un dans le mode histoire au départ. Donc quand on commence dans le mode histoire, on a déjà notre propre appartement, on a du matériel qui est caché dans notre garde-robe, dont un décrypteur, je crois que c'est à usage unique. On le met sur un pavé de commande duquel on ne connaît pas le code, et lui va nous trouver le code. Voilà. Bon, ben on va aller fêter ça, on va aller boire un coup au Jade King. Est-ce qu'on peut jouer au billard? Pas vraiment, mais on peut... Voilà. À chaque fois le mec il dit pouf débile, c'est pas la première fois que je le fais, je sais pas pourquoi ils font ça. Ah ouais, c'est peut-être parce que c'est la blanche qui est rentrée. L'hamburger, là, je pense que c'est moi qui l'ai déposé. J'ai sûrement déjà vu ici. Donc, on va prendre... un cola. On va pas se ruiner, voilà. Un cola et une frite. Les poubelles, je sais jamais trop quoi faire avec.
Voilà, donc on voit que là je suis bien, j'ai une bonne hydratation, donc ça c'est bien. Là on va manger. Ouais. Voilà, ça se passe comme ça dans ce monde. On a les casiers des employés. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici comme affaire qui pourrait être intéressante? Où est-ce qu'il est le téléphone ici? Ah bah il était là. Regardez quand même les appartes, on en a un à 1600. Combien j'ai dit que j'avais de thunes, moi? 4777. Il y a 1200. Mais on voit que c'était au moins 1, et celui-ci, c'est au premier étage. Mais c'est raisonnable. Au 103 Rose Building. On pourrait peut-être aller voir avant. Mais bon, on s'en fout un petit peu pour le moment. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir un appartement. Ça peut être intéressant dans le cas où on a fait une connerie du genre... Je vais vous montrer ça. Parce que là, j'ai une sauvegarde, donc je peux faire un petit peu n'importe quelle connerie, c'est pas très grave. On va entrer dans un building. J'ai envie de dire à peu près n'importe lequel, sauf que c'est pas toujours c'est pas la même chose à chaque fois. On va entrer ici pour voir. C'est lequel bâtiment ici? Comment on les reconnaît? Il faut se mettre contre la porte, et là on nous dit, c'est le Rose Building. Tiens, typiquement c'est là où je pouvais acheter un appartement. C'était le 101, on va regarder tant qu'on y est à quoi ça ressemble. 104, 102 évidemment. 101. Est-ce qu'il y a une clé en dessous? Non. Donc normalement, il n'est pas censé y avoir quelqu'un dedans. On va jeter un œil quand même, on va regarder vite fait quand il va ouvrir la porte. Il prend son temps là quand même. On va jeter un coup d'œil en dessous de la porte. On m'a vraiment répondu quand j'ai frappé? Il y a une caméra là. Normalement, on peut crocheter la porte, mais ça me coûte décrocher. Il y a moyen de la défoncer. Voilà, comme ça on voit à quoi il ressemble l'appart. Il est pas mal, mais quand nous on va la voir, il sera vide. Mais il a l'air assez grand. Bon, je me casse, hein. J'ai pas envie de me faire arrêter. Désolé, c'était une erreur. Maintenant, elle va me courir après. Voilà, ce que je voulais aller voir, c'est en bas. Est-ce qu'il y aura un étage encore plus bas? Oui, il y en a un. Et ici, donc, je disais, ça pue, hein. On est dans la flotte. C'est marqué puanteur à gauche. Voilà, enfin, on le voit plus, mais c'était marqué, hein. Donc, puanteur. Les gens risquent de vous sentir avant même de vous avoir vu. Ben ça, j'ai déjà eu l'occasion. Je suis caché dans une bouche de ventilation. Les gens me repèrent alors que je suis loin d'eux, quoi. Je sais pas si des gens habitent ici, mais c'est vraiment les bas-fonds de la ville. À mon avis, s'il y a des trucs un peu cachés, ça doit être ici. J'aimerais bien trouver genre un pawn shop ou quelque chose comme ça, un prêteur sur gage. Parce que parfois on trouve des trucs intéressants et on se dit que ce serait bien de les revendre, quoi. Ouais, il y a un système de sécurité, comment ça se fait ça? De toute façon j'ai sauvegardé, donc on peut crocheter ça. Voilà, plus de système de sécurité. Donc on peut couper le système de sécurité, on peut couper... Il y en a combien ici? On voit pas bien. Le système de la porte de sécurité, je vous ai dit qu'il y avait le volet qui se fermait et donc il y a l'éclairage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici qui nécessite... Ah, il fait noir, hein, ça c'est clair. Mais il n'y a rien, moi je me... Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Voilà, et le problème c'est que maintenant je schlingue, mais force ultra quoi. Enfin,
On va essayer de faire le truc de la ventilation. Est-ce qu'elle va me dire quelque chose? Non. On va essayer de trouver une ventilation où je peux entrer. Bon, là, il y en a une et il y a le système des caméras. J'ai envie de pirater les caméras. Ah, il y a quelqu'un. On a un plan, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas le premier que je trouve. À mon avis, ça améliore la carte. Ah bah là, le zoom fonctionne maintenant. Ouais, c'est ça. Des fois, je ne sais pas. Bon. Là, on a une bouche de ventilation. Tiens, ça, on a dit qu'on prenait épingle à cheveux, trombone, on prend. La clé, c'est la clé de la porte ici, j'imagine. Toujours bon à prendre aussi. Par contre, le code de cet ordinateur-là, je l'ai pas. Ben, il est peut-être déjà logué, donc... Oups. Je me suis trompé de touche. Du coup, même s'il était logué, ben, il l'est plus. Non, effectivement, il faut taper Evans ou l'admin. C'est pas grave. Ah, peut-être ici. Oh là là. Toute la liste des résidents. On doit avoir des infos intéressantes là-dedans. Si je suis jamais tombé sur ce dossier-là. Celle qui habite au 104, ok. Le 1701. Oh, on a quand même des infos pas mal, hein. Ça peut être intéressant. Ok. Bon, moi je cherchais la ventilation. Bon, il y a bien celle-là, mais... Ici, je suis à l'extérieur, je pense. Voilà, là, il y a quelqu'un. Mais là, il m'a entendu, hein. Non, voilà, il dit d'où vient cette puanteur. On est repéré à 1 km. Il va peut-être se dire que c'est les égouts qui remontent. Ne me dis pas qu'il va se doucher. J'aimerais bien qu'il se casse. Comme ça, moi, je me douche. Parce que là, on est pile au-dessus de sa douche. Hein. Bon, on va bouger. Là, j'ai froid parce qu'on est dans la clim, hein, et que si on reste trop longtemps, on prend froid. Au début, ça va, on remarque rien. Au bout d'un moment, on se met à trembler et c'est quand même chiant. Ah, là, on a une annonce de meurtre. Donc là, on a une nouvelle enquête qui s'offre à nous. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui habite ici, mais moi, je vais me doucher. Donc là, on voit que je suis trempé. Je vais rester trempé jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Voilà, là, il n'y a plus d'odeur. J'aurais pu allumer la lumière, mais j'essaie de faire ça un peu discrètement. Est-ce qu'il a... Voilà. Et donc, on vient se sécher ici à la serviette. Et voilà. Plus d'odeur. Je sais pas si quelqu'un habite ici, ce qui est fort probable. De toute façon, j'ai une sauvegarde, hein, donc je m'en fous un petit peu. Mais j'aimerais bien juste trouver la clé. Sac à main. La clé et de l'argent. Voilà. Et voilà, je me suis fait un petit peu de thune, tranquillou. Donc on a une histoire de meurtre maintenant. Ça nous dit de nous rendre au 404 Gomez House. Et dans ce cas-là, quand le meurtre arrive comme ça, on n'a pas de flèche qui nous indique. Je ne sais pas pourquoi. Donc il faut trouver Gomez House. Donc on va aller sur la carte.
carte. J'ai dit, voilà. On va chercher Gomez. Alors pour ça, moi je me mets genre au deuxième étage. Et on va se mettre comme ça et on va chercher Novak, Piquet, Gomez. Voilà, on va venir à Gomez. Je vais me remettre au rez-de-chaussée et on va faire un trajet, donc définir un trajet jusque là. Voilà. Gomez, c'est bien ici. Donc on nous a dit 404. Bon, je vais y aller à pied. Je suis au troisième ici, hein, déjà. 404, voilà. Bon, la police est là. Ça veut dire que là, pour le moment, je peux pas entrer. Ah, ça c'est le 403. Ah, c'est ici, ok. Faut pas que je me fasse griller, mais c'est jouable. Ok. Bon. Bon, déjà, on voit qu'il y a, un dessin par terre. On va déjà examiner. Donc, on ne sait pas qui est cette personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte. Mais on sait à quoi elle ressemble. Voilà, ça, c'est les infos qu'on a sur elle. Ce qu'on peut estimer visuellement. Donc ça, c'est notre victime, on va la mettre là. On va la fouiller un petit peu. Donc on sait qu'elle a été tuée par balle avec des munitions de gros calibre. Cartouches de chasse, ok. Et qu'elle serait morte entre 18h15 et 18h25, mardi 3 janvier. Ok. On va mettre ça là. On va relever ses empreintes. Normalement, si je retourne dans mes dossiers, empreintes BY. Si je trouve autre chose que BY dans l'appartement, ben peut-être que c'est elle, sauf si elle vivait avec quelqu'un. C'est pas impossible. On a peut-être un indice encore ici. On a une liste de courses. Je pense pas que ce soit très intéressant. On a la clé de son appartement. On va la prendre. On a son contrat de location. Je pense pas que ce soit très intéressant. Je sais pas pourquoi il est dans son portefeuille. Bon, son adresse, on l'a déjà. Est-ce qu'il l'a noté ici Non, il n'a pas noté l'adresse là, donc on va noter quand même son adresse. Portefeuille, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a genre une carte de visite? Quelque chose? Bon, on va relever un petit peu les empreintes. On a un mot là, c'est quoi ça? Empreinte d'Agnès Nielsen. Maintenant, il sait que BY c'était Agnès Nielsen, donc à chaque fois il va nous dire le nom de la personne, ce sera plus pratique. BZ, il y a quelqu'un d'autre. Donc BZ, qui sait, ça, on ne sait pas. On va quand même épingler ça, parce que ça, du coup, c'est intéressant. Ça, c'est ses horaires de travail. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas intéressant, mais... Bon, BZ, à mon avis, c'est quelqu'un qui vit ici. C'était sûrement le gars qui était accroupi dehors. C'est peut-être le mari. On va vite le savoir. Il faudrait qu'on aille voir la chambre. Ah, ils sont chiants quand ils mettent l'interrupteur, là.
pas allumer ça, mais... Voilà. À payer. Ok, il y a quand même un truc... Est-ce qu'il faut que je prenne une photo de ça? Je sais pas. Ouais, l'appareil photo, c'est particulier. Hein. Je vais quand même reprendre une photo. Chaussures pointure 5. Ah, type CA, on n'a pas eu CA. Ça c'est intéressant, on va le prendre hein, le code. Ma note, on n'en a pas besoin. Enfin, quoi que peut-être, mais ça risque de remplir mon inventaire. Je vais pas les prendre. Bon, la thune, oui, hein. BZ. Ici, on a une autre. Ça, c'est des chaussures de femme. Donc, ça doit être. BZ aussi. BZ, ce serait une femme. C'est quoi ça? Bon, le code qu'on a trouvé. Et là, c'est quoi? Souviens-toi de ton code. On va noter ça aussi. Je sais pas qui c'est, mais. Ce serait BZ. Le code du coffre, on a deux solutions possibles. Soit c'est cette note-là qui nous dit « Souviens-toi de ton code, cette fois compte à partir de 3. » C'est pas ça. Et ici c'était 56,75. Il y a juste un diamant. On va savoir qui est qui de toute façon. Bullock et Nielsen. Mais nous... Oui, c'est ça, c'est Agnès Nielsen. Agnès Nielsen... C'est le 56,75. Ok, ça c'est ok. Ouais. Ouais, bah tout ça c'est bon, on a. Nos infos ont été mises à jour. On va regarder ses mails, peut-être qu'elle a reçu des menaces ou quoi. Donc on a un mail de Jack Bullock, donc c'était l'autre personne qu'on a vue au log. Donc c'est bien fait, hein, parce que si je vais voir dans son ordinateur à lui, on verra que... Donc ici le mail est envoyé d'Agnès vers Jack Bullock. Si je vais voir dans la boîte de Jack Bullock, il aura ce mail-là. Du coup. Donc on se retrouve pour manger. Offre spéciale. C'est une pub. Pardon, tiens. Il se passe un truc avec un Christian. Je sais pas. Ça, c'est une arnaque. On la retrouve dans toutes les boîtes mail, pour ainsi dire. Quelqu'un qui dit qu'il est coincé à l'étranger, qu'il a besoin d'argent pour s'en sortir.
Festin de bouquin, je pense que c'est une pub pour des livres. Ça, c'est une pub pour des trucs de cul. Citation distinguée, c'est la citation du jour, c'est une pub aussi. Hein. Demande d'extermination, c'est pour se débarrasser des nuisibles. Cornubia, c'est une pub. Rappel. Ok. Donc pour moi, le truc qui sort du lot, c'est ça, qui était de Christian Palmer. On va imprimer ça. Et on va le prendre. Ok. On va se déconnecter. On va aller sur le compte de Jake Bullock. Donc lui, c'était 3, 4, 5, 6. Voilà. Profil mis à jour. Si je mets examiner. Maintenant on a sa photo et tout. C'est lui, c'est quelle empreinte lui, Jake Bullock? Ah, on sait pas. J'irai voir, tiens, dans le fichier du hall, ça pourrait être sympa. On va aller voir ses mails. On déjeune ensemble, donc on voit, on a le même mail hein, qui cette fois-ci a été envoyé d'Agnès vers Jacques, donc c'est normal qu'il l'ait. Citation, c'est de la pub, Cornubia, oh, c'est de la pub, Top Sensualité, c'est de la pub, offre spéciale, c'est de la pub, je vous demande votre attention, j'ai besoin de vous, je suis coincé à l'étranger, c'est une arnaque, demande d'extermination, c'est pour les nuisibles, ok. Il n'y a rien de particulier, donc on peut quitter là. On a une info. On a quand même un truc étrange, donc c'est un mail de Christian Palmer. Ce qu'on peut faire, c'est voir près du téléphone. Pourrait épingler tout le carnet d'ailleurs, hein. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on voit un Christian là? Christian, ça doit être lui. Est-ce qu'il y a d'autres Christian? Non. Donc en toute logique, je vais mettre ça ici. Ça et ça. Ça, tout ça, c'est la même personne. On va leur lier. Ouais, on va le mettre, je sais pas, en jaune. Et c'est lié à ça. Ok. On va quand même appeler, voir qui est la dernière personne à avoir appelé. Donc, on fait identifier le dernier appel. C'est le 51. 541 00. Normalement, on peut le faire. Ouais, voilà. Inconnu. Donc, apparemment, ils n'ont pas reçu d'appel depuis longtemps. J'en sais rien. Donc, il est quand même fort probable. Il faut que je sache en fait à qui appartiennent ces empreintes-là. Il y a peut-être un dossier médical qui traîne quelque part. Ah, ici on a des dossiers. Le contrat de location, je pense qu'on s'en fout. Ordonnance du médecin. Bon, il n'y a rien d'important dessus. Un autre contrat, un contrat de travail. C'est celui de Jake Bullock. Contrat de location. Contrat de location. Relevé bancaire. Oula. Donc ça c'était le relevé bancaire, ok. Acte de naissance de Jake Bullock. Ouais. Pourquoi pas. Et l'acte de naissance d'Agnès Nielsen. On n'a pas les infos qu'on cherchait.
Mais on a quand même pas mal d'infos. Est-ce que je dois continuer à relever les empreintes jusqu'à trouver autre chose? Je ne sais pas. Agnès Nielsen. Agnès. Agnès. Jake, il touche pas à grand chose quand même, j'ai l'impression. Ça, c'est un peu chiant. Parce que celle que je devrais retrouver en plus grand nombre, à part celle d'Agnès, ça devrait être celle de Jake. On n'en trouve pas tant que ça. Bon. On va se casser. Voilà, j'ai fait ça discrètement quand même. Ok. Ou les inculper. On va faire comme tout à l'heure. Donc on avait Jake Bullock. Donc lui, son empreinte, c'est BZ. Voilà, donc on sait que ça, c'est Jake Bullock. Maintenant, on cherche ça. Ça, c'est probablement le coupable. CA, donc on va chercher Christian Palmer. Ok. C'est Christian Palmer qui nous intéresse. Hein. C'est pas forcément celui du carnet de téléphone. Ah là là. Il faudrait que j'utilise la souris en fait parce que. Christian Palmer. Bon, il me dit rien. C'est ok. Christian Palmer. J'ai peut-être le droit d'être là. Hein. Ah non, lui, son type, c'est AJ. C'est qui alors, CA? Ça, c'est embêtant. Il habite au 1202 Gomez. Et nous au 404. Donc il habite dans le même immeuble, mais beaucoup plus haut. Je ne sais pas qui est CR. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!